De, de faire une, une présentation, donc, moi alors en tout un, Alexander Payloff, autour donc de IPv6 et, et l'Internet des objets. Donc une, une présentation plutôt académique. Donc comme euh, on est dans une présentation académique, on va prendre un peu de recul et donc on va se placer euh, 3000 ans en arrière avec quelque chose que je trouve assez, assez fascinant, c'est si on regarde euh, cette pierre. Donc, euh, en tant qu'humain des, des années 2000, bah, on arrive à voir euh, des choses, des lignes, des, des caractères, des, des symboles. Donc, on, on voit bien que ce n'est pas des oiseaux qui ont marché sur un, un caillou, mais qu'il y a eu un humain derrière qui a écrit des choses. Et pourtant, bah, maintenant, plus personne n'est capable de comprendre le message qui est sur, ce, sur cette pierre. Alors, pourquoi je. Je vais jusqu'ici, c'est parce que, en gros, où est l'information L'information, elle est là. Mais plus personne n'est capable de la comprendre. Et là, en ce moment, on est en train de, de parler. On ne se connaissait pas, ou j'en connaissais certains, j'étais très content de les revoir, mais certains de, de vous, je ne connais pas. Et on est capable de communiquer parce qu'on utilise la même culture, les mêmes symboles pour pouvoir échanger de l'information et ça s'est pas fait en un jour ça s'est fait avec l'évolution le français s'est construit au, au fil et fil des ans et, et si on revient et là évidemment je viens sur sur l'internet on a aussi petit à petit créé cette culture informatique qui a permis à des équipements d'échanger de, de l'information alors ça s'est pas fait en un jour il y a eu du hasard il y a eu Beaucoup de technologies, mais on est arrivé donc à, pour les ordinateurs, à avoir une pile qui maintenant est, est la référence. Alors, donc on a, on a parlé tout à l'heure de l'IOTF qui en standardise une certaine partie. D'autres organismes standardisent l'autre. Mais en gros, ce qui est à mon avis très important, c'est qu'on a donc un niveau, ce qu'on appelle le niveau 2, comme Ethernet ou Wi-Fi qui est quelque chose de très spécifique, qui va donc évoluer très rapidement dans le temps. Et au-dessus de ça, on a une couche IP qui offre une stabilité. Et ça, c'est flagrant. C'est-à-dire que si vous regardez le, le protocole IPv4, il a été publié en 84 et il a à peine changé. Par contre, les niveaux 2 qu'il y avait en 84, ils n'existent plus. Et même les niveaux 2 qu'on utilise maintenant n'existaient pas en 84, comme le Wi-Fi, le 3GPP, enfin, la 3G, etc. Donc, on a cette dualité qui est très importante parce que d'un côté, on permet l'évolution technique au niveau 2 et on offre après aux applications une grande stabilité pour être construite grâce au protocole IP. Alors, malheureusement, c'est une trop grande stabilité et donc l'évolution entre V4 et V6 très complexe. Alors, on a aussi des, des études au niveau de la théorie des jeux qui montrent que quand on prend ce genre de, de système et qu'on le fait évoluer, il y a toujours un point central au milieu. Donc, ce point central a été IPv4. Donc, il y a eu énormément de forces qui font que ce point est, ne bouge pas. Et donc là, on est en train d'essayer de le déplacer vers autre chose. Et c'est quelque chose de, de très complexe, mais, mais on y arrive. Au-dessus d'IP, donc, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu HTTP. Qui a été donc le web et qui était, comme on disait, la killer application. Comme IP offrait une interconnectivité mondiale et qu'HTTP avait besoin pour ses identifiants d'une interactivité mondiale, eh bien, les deux se sont mis aussi en alignement de planète, comme disait taïeb. Et donc, on a aussi un très fort lien à ce niveau-là. Alors au-dessus de ça. Eh bien, on a aussi une autre couche, alors qui n'est pas dans le modèle OSI, pour ceux qui connaissent, mais qui est par exemple une représentation uniforme de l'information, qui est via XML ou JSON, et qui propose un espèce de palier sur lequel on va pouvoir créer des données structurées et pouvoir les échanger entre ordinateurs. Donc ça, c'est l'Internet tel qu'on le connaît, que, que l'on utilise et qui marche bien, et qui est donc le fruit de cette évolution de, de technologie. Alors, le problème, bon, je, je passe un peu là-dessus, c'est que bah, ce truc-là, il est bien pour... Donc, cette universalité, elle se fait au prix du débit. Donc, Tayeb parlait de terabit ou 10 terabits par seconde ou autre. On est dans une augmentation en permanence des débits, euh, alors que quand on va aller vers l'Internet des objets, on va se trouver plutôt dans une contrainte de dire on veut de l'universel, mais on n'a pas la place, on n'a pas les, les réseaux, la capacité dans les réseaux de faire des trucs trop grands. Donc le gros challenge qu'on va avoir, c'est d'arriver à faire de l'universel contraint. Et donc c'est ce, ce dont je, je vais parler par la suite. Pour l'Internet des objets, donc IPv4, ça existe depuis des années. Donc il y a eu plein d'applications qui sont sur IPv4 et ne pas être sur IPv4, c'est nous couper d'une partie du monde. Pour l'Internet des objets, on peut se dire, alors, ce qui n'est pas vrai, hein, puisque je prends un, un réseau comme Modbus, il date de 1974, donc d'avant l'Internet. Donc l'Internet des objets, ça existait bien avant. Mais l'Internet des objets tel qu'on qu parle maintenant, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc on, on pourrait se, se passer du legacy et dire, bah, on fait tout naturellement. En IPv6 alors on va voir tout à l'heure dans donc mon but aussi aujourd'hui c'est de vous donner envie de, de regarder des vidéos donc qu'on a fait pour euh, pour l'ARCEP qui doivent être sur le site de l'ARCEP je, je pense donc euh, je vais vous en parler et donc faire des, des liens à partir de, de ces vidéos mais donc euh, ce qui est intéressant de, de voir c'est donc ça extrait de la vidéo c'est ce que disait aussi euh, Taïeb et, et Latif tout à l'heure c'est-à-dire que la pénurie d'adresses IPv4 a conduit à mettre du NAT et derrière ça, on a une architecture qui s'est imposée, c'est l'architecture client-serveur. Donc comme le client-serveur, bah, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on on envoie tout vers, vers le cloud. Donc on se retrouve avec des architectures où on doit toujours externaliser euh, la donnée vers ceux qui ont la chance d'avoir des adresses publiques, donc les, les fournisseurs de cloud. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple d'application. Euh, Donc, j'ai mis un objet sur un réseau opéré. Donc, l'idée derrière ça, c'est que pour aller dans l'entreprise, ce n'est pas facile directement parce qu'il faut passer par des NAT pour entrer dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller faire envoyer les données vers un cloud et l'entreprise ensuite va aller chercher les données. Donc déjà, ça complexifie un peu la, euh, la chaîne, mais si ça marche, euh, pourquoi pas. Alors, le problème, c'est qu'après, on va se retrouver, si on veut vraiment complexifier ça, on va essayer de faire des bulles dans lesquelles on va avoir notre petit monde IPv4 qui va nous permettre de faire notre service. Le problème, c'est que quand on va vouloir interconnecter une bulle avec une autre, bah, ça va être très compliqué. Et IPv6 a été fait à l'origine pour éviter ce, ce genre de bulle. Donc là, je me rappelle Latif euh, nous dire que euh, c'était l'OTAN qui avait énormément poussé sur IPv6. Pour éviter donc que les armées de, de l'OTAN, euh, quand elles étaient en IPv4, n'arrivaient pas à communiquer, il fallait aller vers un adressage universel. Donc là, on peut s'en sortir, mais en V4, mais il quand même, il peut y avoir des, des problèmes d'interconnexion. Alors il y a des choses encore plus amusantes hein, que Alex a, a vu euh, chez, chez Aclio, c'est que un NAT, bah, ça garde un contexte cinq minutes. Donc, au bout de cinq minutes, on passe à autre chose. Alors, quand on regarde du Netflix, c'est pas gênant parce qu'on a plein de paquets qui nous arrivent. Quand on fait de l'internet des objets qu'on a un, un capteur qui émet toutes les heures, eh bien, le NAT, il perd son contexte à chaque fois et à chaque fois qu'on réémet vers l'extérieur, on a une autre identité. Donc, il faut arriver à maintenir, vu du cloud, l'identité de l'objet, ce qui n'est pas facile. Alors, en plus, on veut dire, IP, ça, ça coûte cher. Donc, il y a une approche qui est euh, l'approche de faire alors, soit du LoRaWAN, soit ce qu'on appelle du NIDD en 4G, non-IP Data Delivery, c'est-à-dire au l'IP, ça coûte trop cher. Donc, je vais euh, me passer d'IP, j'envoie directement mes données brutes, j'arrive en sortie de mon réseau, et là, au lieu de faire du NAT, je vais les encapsuler vers du MQTT, vers du HTTP ici, pour aller vers... Euh, vers un cloud, où là, on aura une, lia une liaison presque point à point entre l'objet et, et le cloud. Donc ça, ça marche bien, mais on a eu une expérience euh, récente hein, avec un opérateur qui dit, moi, j'arrête de faire du, du LoRaWAN, puis un autre dit, bah, ok, venez chez moi, cher client. Le problème, c'est que le HTTP qui est en sortie n'est absolument pas normalisé. Et donc, pour passer d'un opérateur à l'autre, il faut redévelopper les applications. Donc là, on a une grande perte d'interopérabilité. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure avec la pierre, c'est qu'on revient à chacun créer son propre dialecte, lié, adapté à sa vie, mais dès qu'on va changer de contexte, eh bien, on ne, on ne va pas y arriver. Alors, pour faire court, parce que je ne vais pas prendre trois heures, ce que l'IOTF a fait, c'est se dire, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, on se retrouve dans un, un monde où l'IoT euh, vise l'interopérabilité globale et on est obligé de réduire la taille des données parce que cette interopérabilité globale coûte trop cher. Donc plusieurs choses ont été faites, la première c'est l'IETF a dit et on, Pascal Tubert aussi dans l'interview qu'on a fait le répète c'est dire on ne fait plus de travaux sur IPv4, tous les travaux protocolaires maintenant sont sur, euh, sur IPv6. En plus, ça tombe bien, il y a plein d'adresses, c'est bien pour l'autoconfiguration, etc. Donc on va baser sur IPv6, mais comme IPv6 est un peu trop gros, on double la taille, eh bien, on va mettre des méthodes de compression dans tête qui s'appellent Sixlopan et qui nous permettent de travailler sur des niveaux 2 qui ont eux aussi été adaptés pour ne pas consommer trop d'énergie. Maintenant, le monde connu, c'est le monde du web donc euh, architecture reste on a un protocole qui implémente c'est http dans, euh, dans le monde des de l'informatique eh bien on va garder les mêmes identifiants mais on va changer le protocole pour avoir quelque chose qui est très léger au niveau implémentation mais qui est aussi très léger sur le réseau et ce protocole donc s'appelle coap. Et grâce à ça eh bien on va être capable de reproduire ce qui existe dans le monde informatique, dans des mondes plus contraints. Donc, au-dessus de ça aussi, on a une autre représentation des données qui s'appelle Cyborg et qui est, on pourra dire, du JSON numéré, euh, euh, binaire où, euh, où on essaye donc de compacter les choses puisque JSON c'est de la SKI et c'est un peu gourmand. Donc, on s'adapte à des réseaux genre 802.15.4, Donc, le Linky par exemple est un. Très bon exemple d'utilisation de, de ce type de réseau. Euh, L'Unki, donc, euh, utilise cette pile. Alors, ce qu'a fait l'IOTF derrière ce, ce réseau, donc, c'est de travailler sur Sixlopan. Alors, comme je disais, Sixlopan, c'est à la fois de la compression de, des entêtes IP, c'est de la fragmentation, et c'est également une adaptation de Neighbor Discovery. Donc, Neighbor Discovery est un protocole, donc, qui est assez vieux. Hein. En fait, son origine, c'est les années 90, quand IPv6 a été créé. Et donc, la panacée, c'était Ethernet. Donc, un lien, c'est facile. Vous tirez sur le RJ45 et tout ce qui tombe appartient au même lien. Quand on fait du Wi-Fi, c'est un peu moins vrai parce que y a des, les ondes vont un peu moins loin. Mais quand on passe sur des réseaux qui ont des capacités très contraintes, eh bien, j'ouvre la porte ou je ferme la porte, ben, le lien, la, le lien fluctue. Donc il a fallu aussi revoir la manière dont, euh, dont Sixlopan fonctionne pour l'adapter donc à une architecture euh, multi-lien. Donc ça, c'est ce dont parle Pascal Tubert dans dans sa vidéo. Et donc l'intérêt aussi derrière cette adaptation de de Sixlopan, c'est que on arrive sur une architecture multilien, et cette architecture, ces travaux là ne sont pas simplement pour l'internet des objets, mais peuvent être aussi au sein d'une entreprise. Si on veut par exemple regarder tous les préfixes qui existent sur un réseau multilien, eh bien on peut le faire avec ces travaux qui étaient à l'origine pour l'internet des objets, mais qui peuvent aussi se retrouver dans l'entreprise. Donc, Sixlopen, on le trouve dans différentes technologies. Alors, peut-être qu'Alex pourra en, en dire euh, quelques mots. Euh, c'est donc euh, soit le 3G PLC, donc ça, c'est ce qu'on a au niveau du. Alors, je vais me faire tuer si je dis Linky, mais c'est presque, presque ça. On a donc l'architecture Wyson. Donc, on a après dans la vidéo donc, une interview de David Legoff de Silicon Lab qui nous présente euh, Wyson. Et également donc Matter, qui est donc euh, ou Thread, qui est une, une couche base de, de Matter, donc qui est donc l'utilisation d'IPv6 dans, dans ces réseaux. Et donc comme Matter est quelque chose qui, qui se développe, eh c'est aussi un moyen aussi d'avoir de, de plus en plus euh, d'IPv6. Et peut-être juste une, une mini question euh, qui ici a entendu euh, déjà euh, parler de, le, pour le protocole, pour le standard Matter donc voilà une, une, une bonne moitié de, de la salle, mais voilà c'est enfin, basé sur euh, sur trade, enfin c'est une partie de ça, c'est basé sur trade. Euh, donc c'est IPv6, bien évidemment, ça utilise sixlopan. Donc tout au début, même c'était un, un standard qui le nom c'était CHIP, euh, Connected Home over IP. Donc euh, globalement, c'était euh, Apple, Google, euh, Amazon et tous les grands noms du, du, de la domotique, si on peut dire ça, qui sont mis d'accord que le seul chose sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est IP. Bon, après, ça a bien évolué, mais tout ce qui ça a été fait dans Matter, ça arrive dans la maison connectée et ça a été tellement bien fait maintenant que euh, en tout cas, on a vu énormément d'intérêt de, de, de plein d'autres écosystèmes, et je pense qu'il y a un vrai, vrai, vrai potentiel qu'un matter va devenir un euh, standard qui va être utilisé partout dans les, les, les bâtiments, dans le building, dans, enfin, vraiment partout. Donc, euh, et tout est IPv6. Oui. D'autant que la plupart des initiatives auparavant étaient soit fermées, comme la Z-Wave Islands, soit dédiées radio ouais. ou filaire. Euh, bon, il y, y a le KNX par exemple qui sait faire les deux, mais les fermer. Et c'est vrai que c'est le, le premier protocole qui, c'est à la fois faire bah, du bas débit sur des réseaux radio, mais peut aussi tourner sur votre IP, votre Wi-Fi, tout en ayant une passerelle commune euh, et en reprenant des mécanismes qui existaient dans d'autres protocoles pour déclarer un volet, un verrou, un capteur de température, etc. Donc euh, mmh. euh, une, très, une très très bonne initiative. Bon, pour utiliser Home Assistant depuis très longtemps et avant Domotix, j'ai à la maison, j'ai du mode bus, du PLC, du... Enfin, plein de choses, du Z-Wave, du Zigbee. Hein. Et euh, je vois bien les avantages et inconvénients de chacun. <laughs> et donc, euh, c'est effectivement euh, probablement euh, la, la, bah, le déferlement de produits euh, qu'on va avoir avec ce protocole ne euh, devrait pas tarder à arriver sur le marché. Mmh. Oh. Oui. Euh, alors, du coup, alors, si tu peux euh, continuer, Merci, euh, moi, j'ai une petite question par rapport euh, à l'implémentation en 802.11. Euh, euh, j'ai fait pas mal de tests sur les débuts du euh, 11AX euh, avec euh, bah, la conversion du multicast en broadcast et euh, les euh, modulation downgrade attack. C'est-à-dire qu'avec un hôte euh, qui, euh, qui stick sur MCS0, euh, en fait, euh, on force la radio à downgrader la modulation. Et on réduit significativement la bande passante disponible pour tout le monde euh, en floudant du NDP. Euh, Est-ce que on commence à avoir des solutions pour euh, euh, pour limiter ce, ce genre d'attaque en de service C'est une, euh, une bonne question et c'est justement dans l'internet des objets, on, on veut éviter le multicast parce que le multicast c'est très coûteux, pas trop en émission mais en réception. Et, et donc, euh, tous les, les nouveaux protocoles, enfin, les évolutions de Neighbor Discovery font qu'on limite le, le, multi, le multicast au premier paquet, donc Neighbor Discovery, qui est envoyé en, quand un nœud e démarre. Et là, il est pris par un équipement autour. Et ensuite, on tunnel l'information vers un routeur de, de bordure. Et c'est ce routeur de bordure qui, est une espèce de, qui tient un listing. De tous les préfixes qui ont été attribués sur son, dans son domaine, qui peut communiquer en multicast sur le lien Ethernet pour voir les autres, mais ça c'est on n'a pas trop de, de problèmes de, de bande passante. Et donc cette architecture là permet donc justement de limiter au maximum le multicast. Le, la seule chose dont on est obligé, c'est le premier, puisque c'est le standard, de, de démarrer avec celui-là. Donc voilà, cette, euh, cette présentation. Alors juste pour euh, faire un peu de pub pour, euh, pour les MT Atlantique, donc, euh, on a plusieurs MOOC qui traitent euh, soit de, de l'Internet des objets, donc je ne sais pas si c'est dans les références de l'ARCEP, mais euh, je pourrais vous les redonner si elles ne sont pas. Donc c'est un MOOC qui s'appelle PLIDO, Programmer l'Internet des objets. Donc vous pouvez voir des vidéos, Alors, elles sont accessibles dans video.plido.net euh, si vous voulez. Et il y a aussi un autre MOOC qui est ouvert sur Coursera qui traite plus la ipv 6 et donc de, des protocoles comme Neighbor Discovery ou Ripple qui est le, euh, le protocole de, de routage. Donc ici donc deux intervenants donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure Pascal Tubert qui va plus parler de l'évolution protocolaire Sixlopan Ripple et euh, David Legoff qui va donc parler de, de Thread de Matter et de Wison euh, qui, euh, qui utilise IPv6. Donc là, je laisse euh, la parole à mon chair, donc euh, Alexander, qui est chair du groupe Chic à IOTF. Merci beaucoup. Et voilà, donc je, je suis enseignant chercheur à IMT Atlantique. Euh, et euh, et puis tout à l'heure aussi, je pense qu'on va avoir aussi une, inter une intervention de Rémi Damerlé, avec qui on a beaucoup travaillé sur sur l'implémentation de la technologie dont je vais parler maintenant euh, et son déploiement. Euh, donc là ici euh, Laurent il a parlé de SixLoPan et comment on arrive à, à ramener l'IPv6 euh, dans les objets, dans les réseaux. Où on a quand même un peu de débit, hein, quelques dizaines de kilobits par seconde. Euh, et euh, bah, peut-être vous vous souvenez, il y a, il y a une dizaine d'années, il y a une révolution qui a démarré en France, donc avec euh, la, la fondation de la création de Sigfox et également l'invention de la technologie LoRa, euh, deux technologies LP1 euh, françaises. Euh, qui aujourd'hui, bah, il y a tout un tas d'autres technologies qui existent. Euh, et donc nous, à IMT Atlantique, à cette époque-là, euh, on a euh, euh, identifié qu'il y a tout un domaine de, de technologie de communication où il n'y a pas d'IP. Et c'est là où on a fait une innovation, euh, moi je dirais majeure, parce que c'est nous qu'on on, qu l'a faite, mais bon, une innovation assez importante. Donc une nouvelle technologie de compression euh, et fragmentation qui permet d'amener IP, donc IPv6, euh, dans les, 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 les réseaux. Vraiment le, le, le où il y a euh, très 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 extrêmement peu de débit. Euh, donc première chose, IPv4 ça aurait été euh, impossible de le faire dans sa complétude. Donc euh, IPv6 il y a des vraies qualités, des vraies propriétés qui étaient indispensables pour ça. La technologie qu'on a inventée euh, aujourd'hui c'est un standard, c'est une norme internationale euh, sous le nom SCHC donc euh, Static Context Header Compression. Compression des, des, des entêtes des protocoles euh, par des contextes statiques. Bon, on la prononce chic, quand même, pour euh, euh, signifier que euh, bah, c'est une belle techno et puis euh, elle, a, elle a vu le jour en France. Et, d'une manière très très concrète, donc euh, le, le, il y a le groupe de standardisation qui a été créé en 2016. Donc on a fait un gros travail de standardisation de 2000, entre 2016 et 2020. Donc le lrfc ont été, les premiers RFC ont, été vus, ont vu le jour en, en 2020. Euh, donc c'était le premier lieu dans le monde où Sigfox, leur alliance, euh, et 3GPP se sont mis d'accord et ont travaillé ensemble, et par ailleurs à Wiseon, pour créer une norme de portée IP. Sur les différentes technologies qui étaient concurrentes à l'époque, très concurrentes, euh, pour, parce qu'ils disaient, voilà, ça c'est important. Donc on a réussi à le faire. Euh, il y a plusieurs standards aujourd'hui qui, euh, qui existent. Donc ça a été publié par l'IUTF, plusieurs standards. Ça a été adopté par DLMS UA. Donc DLMS, c'est par exemple tous les compteurs Linky, ça parle DLMS. Euh, DLMS, c'est une norme internationale qui est. Partout en Europe, tous les compteurs électriques doivent utiliser cette norme et dans le monde, il y a plusieurs pays pour lesquels aussi c'est euh, obligatoire. Par exemple, en Inde, c'est obligatoire. Au Brésil, c'est obligatoire. Euh, donc, ça a été adopté par DLMS et ça a été aussi adopté par l'IEC. Donc, maintenant, c'est vraiment euh, une innovation qui vient de l'IMT Atlantique, qui était portée par une, un SMH, donc euh, qui s'appelle ACLIO. Euh, euh, donc, ACLIO a été a, a intégré l'entreprise Activity euh, en, en juillet cette année. Euh, et donc, on est passé d'une idée à, par une innovation de cette compression, du coup, et par productivisation, donc standardisation et productivisation, en cinq ans. Et donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe dans le monde. Donc, c'est des compteurs, donc des compteurs électriques, des compteurs d'eau, des compteurs de gaz déployés. Euh, donc, on est encore en début de ce déploiement, mais quand même déployé et opérationnel euh, grâce à cette technologie. Donc, grâce à la technologie chic. Euh, et euh, donc, il y a deux. Donc, ici, vous avez encore les noms de Aclio Donc, euh, en termes de, 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 de réalisation, donc vous avez besoin d'un bout de logiciel embarqué qui va venir dans le dans l'objet, et de l'autre côté, un bout de logiciel qui va venir et qui va se connecter dans le cœur du réseau. Et tout, tout échange, toute communication entre les deux est. Compressé et extrêmement efficace. Pour donner un, 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 juste une idée de, de gain d'efficacité, quand on fait du IPv6 sur One, donc quelque chose qui était impossible il y a quelques années, bah on a 90% de taux de compression euh, des entêtes. Et, et on peut aller encore plus loin, on peut compresser même les, 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 les données au, au sein de, de, euh, de ces paquets. Et donc là, bah on a 75% de, de, de temps de compression les objets deviennent plus efficaces à l'énergie, on a démontré qu'on peut aller jusqu'à 70% de moins de consommation énergétique par le module de communication. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait avec Thales, avec Nordic Semiconductor, euh, avec d'autres, dans, dans des réseaux opérationnels euh, cellulaires. Tout ça avec la sécurité de bout en bout. Donc le choix d'IPV6, c'était important. Et les le travaux qu'on avait faits, c'était aussi euh, euh, vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc là, juste pour donner un exemple, par exemple aujourd'hui au Brésil, donc un pays avec, euh, où il doit y avoir plus de 60 millions de compteurs électriques, donc tout le pays qui doit être euh, 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 équipé avec ces compteurs, bah, il y a deux possibilités, Wyson et Lorawan. Et pour Lorawan, c'est obligatoire, c'est écrit dans la loi, enfin dans la régulation, qu'il faut qu'il y ait du chic. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret. Euh, et euh, juste pour mentionner, euh, peut-être euh, Rémi va en parler un, un, encore un peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose, donc, euh, une annonce qui a été ouverte à Enlitt, donc qui est le plus grand salon de l'énergie en, en Europe. C'est le PDG de Italgas euh, qui a annoncé ce compteur de gaz, du coup, qui est euh, la dernière génération, le plus moderne euh, au monde, avec double connectivité, donc il permet de mesurer euh, bah, le, le gaz, mais aussi un mélange de gaz, donc euh, pour le, le, le méthane et l'hydrogène, donc pour une transition énergétique, avec tout un tas de capteurs euh, qui, qui permettent de, de, de piloter très finement ses, ses, euh, son, son fonctionnement. Ah ben, il existe aussi grâce à la technologie chic, parce qu'il a double connectivité à l'intérieur et grâce à toutes les normalisations, tout le travail qu'on avait fait. Bah, c'était nécessaire. Bah, en fait, cette technologie de IP sur l'Orawan, c'était indispensable pour que ce produit puisse voir le jour. Donc là, je pense que c'est, euh... bon, j'ai réussi à vous persuader qu'en cinq ans, on peut quand même changer le monde. Euh, on n'était pas les seuls et on a été énormément entouré par, par des grands amis de 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 de, 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 de la recherche. Euh, mais il y a autre chose. À l'IETF, aujourd'hui, le working group, donc le travail où cette compression a été faite a changé le nom, parce que justement, on a identifié que Chic est intéressant et important pour les réseaux LP1, mais en fait, on peut l'appliquer partout. On peut l'appliquer pour, pour le Wi-Fi, on peut l'appliquer pour euh, la, la 6G, et donc ça, c'était euh, par exemple 3GPP et Ericsson qui, qui commencent des études sur euh, l'ambiance IoT, donc des, des objets avec zéro énergie communiquant sur le réseau, et il y a tout un tas de use cases qui arrivent euh, largement, qui vont utiliser Chic. Donc IPv6, enfin IPv6 et Chic, c'est la la, la la nouvelle page d'IPv6. Donc juste deux deux minutes sur euh, encore un peu de pub pour, pour l'IMT, enfin sur les, les activités de recherche autour d'IPv6 et et autour de Chic. Donc euh, je vous ai présenté cette euh, cette pile. Donc le danger qu'on peut avoir euh, avec euh, la pile du milieu où on est Sixlopan, c'est de vouloir continuer à recréer des silos, c'est-à-dire redéfinir au-dessus de, de CoAP, etc., des systèmes qui ne vont pas communiquer avec euh, l'informatique traditionnelle. Donc on s'isole, on continue à s'isoler. Donc c'est bon, alors, ça peut être le cas par exemple avec des protocoles comme Lightweight M2M qui vont redéfinir énormément de choses. Donc nous, ce qu'on essaye de... Mais ce qui est très bien, ça, ça s'applique à un certain nombre de, de cas. Mais notre, euh, nos travaux consistent à se dire, bah, on a les couches basses qui sont adaptées à la contrainte, mais derrière, on doit garder des couches hautes qui restent compatibles avec l'existant. Et comme ça, on va pouvoir ramener ces objets dans l'existant à un coût minimal, ce qui va permettre aussi d dans, d de ne pas avoir un frein au déploiement. Donc deux travaux que l'on fait. Le premier, c'est autour de, de Yang. Donc Yang, c'est un modèle de data qui est à peu près utilisé partout dans l'industrie, au niveau de, du SDN, au niveau du cloud, au niveau de, des réseaux. Mais pareil, on a des identifiants qui font un kilomètre de long. Eh bien, grâce à des technologies comme CoreConf, on est capable de diminuer par 20 la taille des données échangées. Et donc, on permet, comme ça, à des objets qui utiliserait Yang, parce que c'est un langage connu de tout le monde, de se rattacher à, à l'existant. Et de même aussi sur les séries temporelles, mais je crois que je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'on a peut-être dépassé notre. Oh, on est un peu en retard, mais c'est pas bien grave. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant.